la rediff. Alors du coup c'est parti, on va caster le groupe numéro 1. Donc là c'est pas live, hein, c'est pas live. Donc je vais vous dire qui il y a. C'est un très très gros groupe. Franchement il y a une affiche de folie. Je vais ranger la manette, hein, MDR maintenant je vais plus m'en servir. Mais ouais, c'est un gros groupe. On a Mass joueur Lazy, c'est aussi pour ça que je suis là, mais de toute façon ouais c'est un gros groupe. On a donc en joueur Lazy, on va d'abord regarder, donc il y a Psycho. Donc Psycho il a des chances je pense d'aller relativement loin s'il ne choke pas. Pierre Poc, t'as oublié un CP ring à droite. après on a Xenorskill. Xenorskill je pense il peut aller aussi au round d'après. Yakil, Yakil il peut être bon mais il a tendance à choke. Donc on va voir ça. Donc on a déjà 4 joueurs Lazy. On a Hugo220. Hugo220, vous le connaissez je pense si vous avez joué un petit peu sur le serveur ZRT. Très bon joueur Hugo. Lui c'est pareil, s'il est dans un bon jour il peut aller très loin. Soalien. Soalien, il peut aussi certainement aller au prochain truc. Ah, la nature. Ah, il peut certainement aller au prochain round. Je crois que c'est tout. Ouais, donc on va recompter. Parce que je sais pas compter. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y en a 5, pas 6. Qu'est-ce que je disais? Donc, du coup, voilà. Après, il y a Pierre Poc aussi qui est un poteau Lazy. Il est pas Lazy, mais voilà. Nono Skill est salé, totalement salé. Donc après un joueur connu, donc on a Akros. Akros il peut aller très 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 loin. A priori il est assez régu. Moi je l'ai vu faire des temps de folie tout simplement. Il a lâché un record mondial je crois, je suis pas sûr mais non, il peut aller très loin franchement. La Bafu est pas mauvais aussi. Franchement la Bafu pareil, je pense qu'il peut aller assez loin. Carl Junior, bon bah voilà, pas besoin de le présenter, c'est Carl Junior. Lui il va certainement aller à Lyon. Revolution peut aller très très loin aussi. C'est un très 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 bon joueur. On l'a vu sur des Enduro Cup, on l'a vu sur il y a une autre sur la Spam Weekly je crois. Et maintenant voilà on le voit partout. Bobus il peut aller je pense au prochain run, peut-être même à celui d'après. Pierre on en a parlé, Sardoche vous le connaissez, je ne commenterai pas à son propos. Mimo Junior est pas mauvais non plus. Timoru est pas mauvais. Je le connais pas assez mais voilà. Twin vous le connaissez. Et c'est un peu un éternel second le pauvre. Mais je pense quand même qu'il peut aller grave loin. Il y a peut-être même moyen qu'il aille à Lyon. Eternity. Est-ce que c'est le vrai Ayako? Ouais, Ayako. Vous les connaissez, surtout Ayako. Il est d'ailleurs en live. Jinx, il a une chaîne YouTube. Dank Raptor. Ah non, il spec. My bad. À moins qu'il joue. Mais si Dank Raptor joue, lui, il peut aller loin aussi. Et puis voilà. Donc on a un bon groupe là, un bon groupe. On va y avoir du spectacle. Je pense que Karl va être devant, mais les autres. Il va y avoir du spectacle quand même. Nono qui met salé. Qui met deux mots pour désigner cette cup, mouette et crash. MDR. J'avoue. On va relancer une petite random box, tiens. Dans le chat, préparez-vous. Je vous mets déjà la page pour les valider. Hop. Une petite random box, ça va pas faire de mal. Je vais aussi mettre les autres musiques. Que j'aime un peu moins, mais voilà. Ajouter à la liste. Voilà, normalement il y a plus de musique qui tourne. Et du coup, je relance la clé. Hop. N'hésitez pas donc à aller sur la random box. Je vais faire un petit tweet aussi pendant ce temps. Je vois que ça n'a pas commencé encore, c'est bon. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon. On s'est fait éliminer. Violemment. Hashtag choke. Mais maintenant, ça. On spec, ça va être un bon cast. Voilà, c'est pas mal. Et je remets le lien naturellement. Voilà.
du coup, n'hésitez pas eh bien, à valider la petite random box. Je vois que ça n'a pas été fait pour l'instant. Ok, première map. Il s'agit eh bien de Trackmaniac. Vous le voyez ici. On va spec Akross ou Karl. Ouais, on va spec Karl. Karl qui fait donc le départ normal. Alors attendez. Non, c'est pas ça. Voilà. Hop. Vous voyez que Hugo est devant. Très bien. Un lazy. Ça fait plaisir. Oh, il a fail. Par contre, Karl, voilà, qui fait le petit grâce. On va monter le son hein, des voitures. Hop. On entend pas le son de sa voiture. On entend le son des autres moteurs, mais pas le sien. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous connaissez déjà la map, vous la découvrez. Ici, souvent, les joueurs se mettent en cam 3 juste pour pouvoir bien passer. Hop. Alors, du coup là, ça part, eh bien, je vais cacher son pseudo sur un beau virage en dirt. Enfin, en herbe, attention. Oui, comme le dit Banchour dans le chat. Oh, le wallbang, je ne savais pas. Il faut être eh bien top 16 pour être qualifié. Karl qui fait n'importe quoi à la fin, naturellement. On va spec Ayako. Ah, Ayako, il a commencé en retard. On spec Twin, il est arrivé. Ah, on va remettre Ayako. Ou Revo. Ah, Revo. On spec Revo aussi. Du coup, ouais, ça va être sympa, je pense. Là, on a un bon groupe. J'ai la chef. Forza, lazy. Et du coup, ouais, ça va être sympa. Donc c'est parti, on va se mettre bien sur la vue de Karl Jair, le Canadien. Ah, on a vu Akross à gauche qui a fait... oui, je montre avec mon doigt, très pratique. Qui a fait le start et qui s'est loupé. Il y a un start spécial à faire. Hop, petit néo de la part de Karl Junior pour commencer. Otarus qui est sorti devant. Là, hop, ça réalise un petit peu, mais ça passe bien. On a Twin qui est premier. Allez, Twin, hop. Donc voilà, Twin qui est devant, je crois que je suis en majuscule, non, hop. Donc Twin qui stab à la verticale, alors ici on m'a dit qu'il valait mieux stab comme ça, bien droit à l'horizontale. Et apparemment, non, ils sont à la verticale. On a Bitoku qui fait quoi, c'était à 15. il a cru que c'était à 20 et ils ont lancé à 15, je crois. C'est pas grave, du coup voilà, c'est chaud entre Karl Junior et Kayo et Twin. On a aussi... Non, ils sont un petit peu plus loin derrière les autres. Twin qui double tout le monde. Attention, ça va être chaud avec Karl. Ça va être très chaud avec Karl. Faut que je mette les voitures autrement, voilà. Ça va être très très chaud avec Karl, attention. On a Karl qui est devant ici, qui devrait finir. Ici, il n'y a pas de souci. Twin qui a failli choquer Karl qui a touché, mais c'est passé. Ça commence bien, tout de suite. Ça commence très bien. On a Saiko qui finit 8ème du côté des Lazy. Sardoche, 7ème, incroyable. Salut son père, la fougère. Merci à toi, frérot. C'est bien sympa de ta part. Pierre Poc qui prend 15 points, Revolution 13, Hugo 12, ça part pas mal. Ayako 9, il a dû choquer un petit peu Ayako, ça arrive, il va se rattraper. Ça part bien en tout cas, ça part bien. Afi je ne le connais pas, alors Luska non plus. Les autres je les ai déjà vus, mais Afi et Luska je ne les connais pas. Z52, c'était cool la ZRT Cup, j'ai fini 56ème de mon serveur avec 3 points au premier tour. Ah. Ah c'est... Effectivement. Mais moi j'ai fini avec pas mal de points, j'ai dû taper dans les 200-300. En tout cas j'ai fini 8ème de mon serveur sur le premier truc. Mais j'ai un peu merdé parce que... Ouh, c'était chaud pour Saiko ici. Parce que on a une voiture lazy qui est là, je sais pas qui c'est. On a Karl Junior qui est devant. Parce que... pourquoi déjà? Ah je sais, j'arrive plus à parler, ça part très bien. Parce que... Ah mais c'est Yakil qui est devant, on va spec Yakil. Il est où Yakil? Il est où? Il est là, hop. J'étais serveur 8. J'étais serveur 8. Et du coup c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé le map pool en plus. Après, bon c'est pas... Voilà, c'est pas très très bien passé. Mais globalement... Osef quoi, c'était sympathique. Ah, y'a Kill Catch Choke. Tandis que devant, ça va être chaud. Probablement Kayo. Ah non, je ne crois pas. Vous le voyez en haut à droite, c'est Karl qui est gagné en 1.09. Sachant que le world record est à 1.07.
Et du coup ouais, j'étais serveur 8. C'était sympa, moi j'ai bien aimé. Je me suis qualifié donc assez easy puisque je fais 8ème, je crois. Ouais, 8ème. Ah, 8 serveur 8, marrant ça. Lord Snow qui se connecte. Un petit peu en retard, Lord Snow. Et du coup, voilà. Et après, 4 joueurs Eden dans Bobus dans mon serveur. Après, bah, c'était la galère. Parce que j'ai pas aimé les maps, j'avais pas forcément train et tout. On va se mettre sur la vue Twin pour cette fois-ci. Et donc voilà, c'est mal parti pour moi. Et j'ai eu masse lag, il y avait des lags serveurs, mais je crois qu'ils étaient accentués par mon stream. Et du coup, c'était presque injouable à un moment. Et donc à partir de là, bah, j'ai full choke. Je me suis un petit peu énervé, ça a tilt. Et ça touche du côté de Twin, attention. On va passer sur Kayo qui est passé, voilà. Et du coup, et bah voilà, my bad. On a vu Ayako à gauche de l'écran qui est tombé. Et du coup, Kayo qui se retrouve tout seul devant avec l'ab affût. Zedrom premier me dit nonoskill sur son serveur, c'est bien. Zedrom il peut aller au quart, je pense. Ça va être difficile, mais à mon avis, il y a moyen. Donc voilà, Kayo qui se bat avec la Bafu. Derrière, c'est Révolution, Akros et Banshura. Oula, ça a touché du côté de Kayo. Oula là, c'est le choke. Le choke, on va passer sur la Baf s'il est là. Il est pas là, bordel. Je peux spec kill, je peux spec kill. Denkraptor peut-être? Oui, Denkraptor. Oh! Ah non, Revolution qui disparaît. C'est bizarre ça, les joueurs qui disparaissent comme ça là. J'aime pas trop le mode spec là, cette fois-ci. Hein. Alors du coup, vous allez le voir en haut à droite, Revolution qui va gagner. Voilà, il s'impose Across, Revolution, Tankraptor, Omega, Afi, Luska et Kayo. Donc voilà, il reste encore deux rounds. Ayako qui gueule dans le chat parce qu'il n'arrive pas à focus. Ok, ouais, je regardais des messages importants, désolé les gars. Hop, du coup ça repart, on est sur Denkraptor. D'ailleurs, skin de Denkraptor, eh bien c'est le skin des 3 points d'interrogation. Et il est fait par Mister Anto, le poteau Anto. Du coup, alors on est Denkraptor, on va voir s'il passe, ça passe sans souci pour lui. On a Hugo 220 qui est devant. Les Yes et Lazy, on a Karl Junior, on a Kayo. Ah, ça a toujours du mal du côté des cactus. On a la Bafu aussi. Oh, ça a touché du côté de la Bafu justement. Révolution donc qui est tout seul devant pour l'instant. Denk qui a pris un peu un bug bordure, je crois, je suis pas sûr. On se retrouve avec Akros et Hugo qui se battent à la poursuite de Révolution, pardon. Denkraptor est aussi avec eux. Donc ça, voilà le quatuor de tête. Derrière, on a Révolution qui est pas loin. What? Il y en a un qui a fait une erreur là. Je sais plus qui était premier, mais belle erreur. Ah bah c'était peut-être bien Révolution. Bah oui! Et du coup, Hugo qui se retrouve devant. Lazy, Hugo 220 qui se retrouve devant, c'est Yimb. Akros qui va faire deuxième probablement. Oh attention! Denkraptor Révolution! Oh! On en a vu un qui s'est retourné, c'est Hugo! Hugo qui s'est retourné à la fin. Aïe aïe aïe! OMG Hugo! Hugo, eh bien, qui s'est tout simplement retourné. Et Denkraptor qui a doublé Revolution. Incroyable. Alors là, je suis un peu sur le cul. Normal, je suis assis MDR. Mais waouh, franchement waouh. Nonoskin qui me dit pendant ce temps-là que Zedrom a 28 points d'avance sur Paco. C'est nice. Nice, nice. Ça va aller, les gars. Allez, on reste sur Denkraptor pour l'instant. Après j'irai check la musique, j'ai l'impression que ça a pas pris en compte les nouvelles musiques que j'ai intégrées au lecteur. Alors, qui va passer du côté... Oh, ça touche pour Denkraptor! Est-ce que Karl est passé? Karl est passé. Il se retrouve avec Twin, Bobus, Révolution, Hugo... Oula, c'est n'importe quoi. Ça c'était pas Hugo, c'était Yakid je crois. Faudrait que je regarde si Hugo a la skin Lazy, parce qu'il y avait un skin Lazy. C'est Yakid, il est un petit peu loin. Hugo. Non, Hugo n'a pas de skin. Oh, il est encore bloqué sur les potales! Oh! Hugo très très loin, Hugo très très loin, c'est pas grave. Du coup, Karl qui se bat devant avec Révolution.
suivi un petit peu plus loin par Twin, mais c'est pas mal. Donc du coup Karl voilà qui fait la course avec Révolution, ils sont là et bien dans l'herbe, ils passent sous les CP, le virage un petit peu large, hop, ça rentre bien sûr les boosts. Là ça devrait faire un wall hit, on va voir comment ils le font. Ouais ils le font tous les deux presque FS, Révolution a un poil release. Et ça devrait être donc l'imposition MDR pour Révolution qui fait... Pardon, qui j'ai eu une remontée. Qui fait eh bien une amélioration, vous le voyez ici le local en bas à droite. Local 6 pour Révolution. En 1.08.710. Good job Revo. NT. Et Hugo qui est toujours bloqué sur les potales, oh là là. Aïe 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 aïe. Ah non, c'était pas sur les potales, c'était en dessous, excusez-moi, pas les potales. Bon, ça se porte pas trop mal pour Zedrom apparemment. Du côté du serveur 3. Moi pour ma part ça va pas mal aussi là puisque eh bien les lights ici sont pas trop bien on va dire, mais il y a quand même un bon ça s'amuse quoi, ça s'amuse on peut le dire. Ouais si c'est bon, j'ai une nouvelle musique qui a été prise, hop. Alors du coup ça part eh bien ah Pierre Poc, je vais essayer de vocal avec Pierre Poc s'il est Discord parce qu'il connaît pas le chemin. Pierre va Discord. Pierre. Donc j'espère que Pierre va venir pour que je lui montre. Oh Karl qui a une way différente des autres. Incroyable, j'avais jamais vu cette way. Ici il fait un wall hit, étonnant. Wow, c'était serré là. Là, oh Karl qui tape l'angle, incroyable. Incroyable, incroyable. Et ah non, il n'y a pas de point. J'allais dire Bitoku qui est premier, mais non, il n'y a pas de point. Hop. Attention, ça touche du côté de Karl Junior sans gravité, évidemment. Enfin, qui croyait qu'il allait avoir de la gravité, c'est Karl Junior après tout. Hop, je vais remonter le flux de l'encodage par contre, parce que là, j'avais oublié, mais du coup, vous avez encore la qualité dégueu. Hop, l'enregistrement est un peu mieux normalement, voilà. Est-ce que... Ah, Karl qui safe et qui va chercher le boost, vous l'avez vu. Assez étonnant. Mais c'est pas grave. Donc ensuite... comme vous l'avez vu, ils commencent par l'herbe, ils vont ensuite sur les sauts. Après, ils finissent... ils continuent, pardon, par la dirt. Et ils vont finir, eh bien, par la partie goudronnée, tout simplement. Pierre Poc qui n'est pas sur Discord. Pierre vient Discord... Je t'explique là, ouais. Oui, j'ai une copourie, ouais, je sais. Il y a des lags de stream, j'y peux rien. C'est la 4G qui est comme ça. Je vais vérifier mon portable, mais j'y peux rien. Oui voilà, c'est donc ça, la 4G, j'y peux rien, désolé, ça me fait chier aussi, crois-moi, mais j'y peux rien. Ah non, mais ça vient de ma connexion et pas du tien, pas de la tienne, hein. C'est Mako et pas la tienne. Mako est totalement dégueu de toute façon, mais tant pis. Pierre, Poc... Viens Discord. Je t'explique. J'ai la chef. Ah là là, il est pas venu Discord. Ah si. Il est mute. Il est mute son. Putain, Pierre. Il va se démute après. Alors vous allez voir, regardez ici. La way de Karl Junior totalement différente. En plus, il arrive à ne pas glisser. Et donc là, vous le voyez, c'est assez bénéfique. Ah non, Hugo est devant. Caillou aussi. Et je crois qu'il y a Dank Raptor aussi qui est là. À moins qu'il ait restart. Hugo qui a l'air pas mal, hein. Hugo il a l'air chaud sur cette map. C'est très bien. Très très bien, on est content. Alors. Ça saute en haut à gauche de l'arrivée. Oh, ça touche du côté de Karl Junior. Il est pas précis, Karl Junior. On va repasser sur Hugo. Ouais, Hugo, vite, vite.
Parce que là, ça va être la partie des jumps, et la partie des jumps, elle est fort intéressante. Hop. Alors, Hugo donc premier pour l'instant, suivi de Ingenal et de Révolution. Alors, est-ce qu'il tente? Ouais, il va chercher le petit boost, Hugo. Il a raison. C'est plus safe. Je crois qu'ils font tout ça. On regardera tout à l'heure les autres points de vue. Donc voilà, Hugo, assez easy devant. On va suivre Révolution, qui est juste derrière, et qui du coup, eh bien, on verra deux personnes quand on sera sur lui. Ce sera Hugo, donc Révolution. Donc ça avance pas mal, voilà, pour les deux joueurs. Il rattrape GG Pal d'ailleurs, qui a dû commencer par les sauts. Donc Hugo pour l'instant toujours dans la dirt. Ah, Révolution qui la prend différemment. Ah, je crois qu'il a perdu un peu de vitesse par rapport à Hugo. Hugo a pris de l'avance a priori. En tout cas, c'est mon point de vue. Ça saute ici en haut à gauche de l'arrivée, évidemment. Et ça saute sur la dernière partie, la partie goudronnée. Hop, la roue libre évidemment. À prendre le plus rapidement possible, hein, c'est logique. Et Hugo qui devrait aller s'imposer s'il n'y a pas de soucis. Oui, c'est probable. Je vais regarder. Non, je vais pas regarder, on va rester là en fait. Oh, Révolution qui a loupé son drift ici. Mais c'est pas grave. Hugo, oulala! Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Hugo qui a fait. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Mais voilà, Hugo qui fait premier. Révolution deuxième, Carl Junior troisième, Ayako quatrième, Labafu cinquième, Mimo Junior sixième, Omega septième et Eternity à huitième. Pierre, démute-toi. Tu m'entends, hop. Merde, je sais pas écrire. Entends, hop. J'ai pas vu que j'étais muté. Ah ouais, bah ouais. Alors il faut que tu partes par l'herbe. Quoi? Il faut que tu recules au départ et que t'ailles dans l'herbe. Non, c'est ce que je fais, je connais l'ordre des 4 parties, mais à part ça je connais rien du tout. Je suis combien tième là? Bah je vois pas. Attends, je vais te dire ça. Tu es 21ème. Ouais, y'a encore moyen. Ouais, y'a encore moyen, sans souci. Si j'ai la luck au start sur le... Ouais. Alors là, je vais pas vous commenter pour qu'on focus avec Pierre. Donc s'il fait des erreurs, je lui dirai. Oui. Alors là, apparemment, Wallbang Worse, mais je suis pas sûr du tout. J'ai vu Carl Junior le faire en fait. C'est ce que je fais, j'en casse pas la tête. Ouais, tout le monde le fait en fait. Regarde, même là, je peux Wallbang si tu veux. Bah là, non, c'est mieux de passer. Ici aussi, c'est mieux de passer direct. Juste derrière Yakil d'ailleurs, là vaut mieux que tu... Oula, oh, c'est risqué ça. Perso je ralentirais, mais après c'est toi qui vois. Tout le monde fait ça. Bah ils sautent, mais à gauche de l'arrivée ils le font, alors que toi tu fais à droite. Ah, ok. Mais après, franchement je pense que ça revient à peu près au même. On entend pas beaucoup les moteurs, mais... Attention, moment critique. Ouais. Merde, j'ai switché. Oh, yeah. C'est bon, ouais, oh, nickel. Très très bien pris de la part de Pierre, on a vu que la fin du jump, dommage, mais c'est pas grave. Incroyable. C'est que là je PB à tous les rounds, hein, parce que cette mob je crois que je l'ai pas fini non plus. Et t'es juste avec Psycho et Yakil. Oula, t'es trop release là, faut pas... Ah non, j'ai pris le checkpoint. Mais là il faut pas release, il faut juste stab. Enfin si, tu releases durant le jump, mais pas durant... Enfin, sur la rampe en fait, tu vois. Là tu passes pas trop mal, ouais, faut pas trop monter, nickel. Là faut que t'ailles un peu sur la droite là. Ah bah fallait aller plus sur la droite pour mieux prendre virage. Là faut sauter à gauche. À gauche de l'arrivée, ouais. Mais... Donc là, c'est la tête, je vais sauter tout droit. Bah tu le sauras, ouais. Parce que je l'ai fait deux fois avant et deux fois j'ai pris l'arrivée et j'ai pris la spawn. Comme tu veux. Attention, putain. Putain. Le mauvais joueur. Là tu drift, je pense. Ah, tu fais un wallbang, ça marche aussi. Oh. Moins rapide, je pense, que le drift, mais plus... Technique de nouveau. Plus simple, ouais. Là faut pas drifter par contre, je pense que t'as pas voulu. Là tu veux wallbang? Non, si, j'ai fait un wallbang. Là il wallbang. Ah, vaut mieux pas drift à cet endroit là. C'est combien? 23ème. Oh, c'est pas comme ça que je vais faire 16ème. Hein. Hugo et Carl qui se sont tirés la bourre apparemment, et on voit ils mettent tous les deux great run. Je suis où là? Intéressant. Allez, je vais me mute, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis ici, tu peux me demander. Ok. Donc voilà, comme ça je peux 16ème, commenter. 16ème, c'est Sardoche, tiens. Ouais. Là voilà, je suis... Enfin, il m'entend pas, mais y a pas de problème. On va respect Carl du coup. Parce que c'est assez intéressant. Donc avec Hugo. Hugo, il a l'air chaud sur ce map, c'est bien sick. On va peut-être passer sur son point de vue. Et si... Est-ce qu'il est là, Hugo? Il est là. Il est 11ème, a priori il faut être top 16, donc il devrait pouvoir passer. Alors il y a un peu de monde devant lui là. On va cacher les noms pour... Oh, Dunkraptor qui a pris l'angle, vous l'avez vu comme moi.
Et il se retrouve deuxième derrière Twin. Alors attention, les deux joueurs là. Waouh, c'est passé chaud. Oh, je crois que Twin a fail. Oui, Twin n'est plus là, vous le voyez ici. Hugo qui se retrouve tout seul devant avec Afi à une seconde. Faut qu'il prenne son temps là, Hugo. Il peut safe. Ouah, c'est passé serré pour Hugo. Ça passe vraiment limite limite. Ouah, le drift, c'est bon. Ah, il a bien géré, très bien géré même. Il a 2 secondes 3 d'avance. Incroyable. 2 secondes 3 d'avance pour Hugo, c'est excellent. Across donc qui est à 2 secondes 1, il revient un tout petit peu, mais franchement, rien de bien grave. On n'a pas le temps de voir Across qui apparaît ici, j'essaye de voir pour les temps. 1-8, Across qui revient doucement, mais je pense que là ça va être dur pour lui. Est-ce qu'il est là pour que je puisse le spec? Il est 3ème. Hugo est loin devant. Hugo est loin devant. Ça me paraît compromis pour Across. Oh là, c'était un dérapage mal déclenché celui-là. A mon avis, il était pas voulu. Allez, ça finit pour Hugo. Chier, putain, j'étais bien. Ça finit pour Hugo, on entend Pierre qui a du mal. Allez, courage, Pierre. Courage, courage. J'ai fait la roue libre, c'est pas possible. J'étais bien et tout. Et puis je mange le mur. Ah. 24ème. Je gagne rien comme point en plus à chaque fois là. Ah, ça risque d'être difficile. Je suis au 1 point à chaque fois. Ça risque d'être difficile, mais je pense que tu peux le faire quand même. Il reste une map là ou il reste encore un round? Là, il reste encore 2 rounds. C'est 5 rounds. Encore 2 rounds? Ouais. Ok. Je peux peut-être faire un truc là sur les deux derniers. Allez, on reste sur Across pour l'instant, on va voir comment lui le fait. Ah, il est pas très bien parti, on l'a vu, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il passe? Oui, il passe à droite comme beaucoup de monde. C'est bizarre quand même ce mode de spec là, parce que j'ai l'impression de pas voir toutes les voitures. Regardez, j'ai pas vu, enfin il y avait Sardoche devant, voilà, et je le vois pas. C'est très très bizarre ça. On voit pas tout le monde, c'est... Wow. Regardez, vous le voyez en haut à droite, GG Pal qui est devant. Ah ouais, mais non, c'est ceux qui passent de l'autre côté. Ça. Mais voilà, c'est très bizarre. On va spec Ayako. Ah, Hugo qui a touché, on l'a vu. Hugo qui a dû restart. Oh non! Putain, Hugo il a restart trop tard. Bon, c'est pas grave, on lui en veut pas. De toute façon, il est quand même très bien classé. Où est Ayako de la cité là? Il est 12. Il est là. Attention, ça arrive sur la partie des jumps. On va voir s'ils font tous. Twin qui tente. Et oh, Ayako qui touche. Il doit faire demi-tour. Alors que Twin est passé. Psycho, où en est Psycho? Il est loin. Il est loin, malheureusement. Twin. Donc Twin premier. GG Pal juste devant lui, apparemment. Mais je sais pas qui c'est. What the fuck. Dank Raptor juste derrière lui. On respecte Dank Raptor. GG Pal juste derrière lui. Mais what the fuck. Est-ce qu'il est là, GG Pal? Il prend la même way ou pas? J'ai l'impression que non. Alors attendez, GG Pal, GG Pal. Il est là. Ah non, il prend une autre way. Il prend une autre way. Oh, donc Raptor qui a touché. Qui a touché. Et donc, on a eh bien le petit Twin qui s'envole. À moins que Revolution le rattrape. Oh, ça va être serré entre les deux joueurs là. Donc Raptor, Revolution. En sachant que Twin, eh bien, est devant. Ça va être serré, ça va être serré. Attention. Oulala. Donc Raptor qui a pas très bien passé le drift ici. Et il en refait un ici alors que Revolution non. Et ça a l'air d'être mieux ce que Revolution fait. Twin qui a fail. Eh bien le passage, mais... Oh là là, ça va être serré encore entre Dank Raptor, il revient, attention. Et Dank Raptor qui ne passe pas. Donc Twin premier, Revolution deuxième, Dank Raptor troisième. Où en est Hugo? Hugo n'est pas trop loin, ça va encore. Il a pas marqué trop de points, mais de toute façon il restait trop longtemps sur le côté. Il était comme ça, au secours. C'est encore un PB. T'as toujours 22ème, rien à faire sur cette map. Zedrom bat Lulu Paco. Dac, bah nous écoute sur le stream, Nono me dit que Zedrom est très très bien, il est devant Bad Lulu et Paco, donc c'est très bon. Au calme. Grave. Allez, courage, focus. Ouais, normalement je suis mute. I feel so bad, nous dit Ayako, il est pas bien, il est pas yambe. Ce serait très étonnant qu'il soit éliminé déjà là.
Mais après tout, c'est possible, hein. Ah, on a Xenor qu'on a vu là, le petit Xenor skill avec sa voiture try. Allez, ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Dédicace à toi, Francis. Et du coup, ouais, ça continue. Avec donc, eh bien, Hugo qui a l'air pas... Ouais, Hugo juste devant Karl, on va spec Karl. Oh, il a mal pris son virage. On va spec Révolution. Qui se retrouve, eh bien... Non, faut qu'on spec Twin ou Dark... Dunk Raptor, pardon. Ouais, on va spec Dunk, c'est pas mal. Donc il est en train de se battre avec Twin pour revenir sur Hugo. Ils sont en poursuivant. Cette map, fils de pute. Ah d'accord, Ayako qui choke totalement. Dunk Raptor qui risque... n'aura pas cette vitesse, je crois, ça va être les... ça passe bien. Tout le monde est passé, là, vous l'avez vu, il y a différentes stratégies qui consistent à aller chercher le boost ou non, dans tous les cas, c'est payant. Simplement, voilà, je pense que la stratégie du boost est plus safe, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Et donc, du coup, voilà, ça continue. Hugo, donc, qui est premier devant Révolution et Dunk Raptor, comme tout à l'heure. Oula, il a pris trop à l'intérieur, ça va être serré entre les trois joueurs, attention. Dunk Raptor, qui, eh bien, se fait distancer par Révolution et Hugo. Hugo... Oh, Révolution qui a mal pris son virage et il revient du coup. Et Dunk Raptor, pardon, revient sur Révolution. Attention, ça va se finir très serré entre les trois joueurs parce que Dunk Raptor revient aussi sur Hugo. Oh là, faut que je spec Révolution. Il est où? Il est là. Il est là. Hugo toujours premier, mais c'est très 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 chaud avec Dunk et Revo. Dunk qui. Voilà. Oh, Dunk. Je crois qu'il est parti. Dunk. Aïe aïe aïe, il a pris le mur. C'est très chaud. Oh, attention, Hugo. Hugo qui prend trop large, il touche le mur. Non, Révolution qui va... Oh, Révolution a mal pris. Oh, Hugo, où est Hugo? Il est juste derrière. Oh, il a touché. Oh là là, c'était serré de ouf. C'était serré de ouf. Waouh, la fâche. Alors là, très belle run. Franchement, cette map nous offre du spectacle. Hein. Très très bonne idée de la part de Terra d'avoir fait ça. Encore un PB, je crois, en plus. Mec, cette fin de ouf. Et Sardoche qui nous lâche en lob 90 quand même. Respect. Je m'attendais pas à ça, il a dû train hard, je pense. Ouais, sur le dernier jour, je pense qu'il a dû faire que ça. Je pense aussi. Bon, à mon avis, c'était pas très worth le wall hit que tu m'as dit là sur la fin. Où ça? Je suis remonté à 22. Ouais, let's go. Ah ouais, bah ça, je sais pas, j'ai compris, mais je sais pas. Oh, c'est Zedertheol la dernière? Non. OMG. Attends, c'est celle-là? Oui. Mec, tranquille. Ah ouais? Je pense que c'est ma meilleure map. Nice. Honnêtement, je pensais que c'était The Raptor là. Mais ouais, The Raptor, bah sûrement prochain tour. Y'en a 4 ou... Non, y'a 3 maps là. Ouais. Putain, et regardez, sur cette map, Hugo, qui a quand même une seconde, je dirais même une seconde, 107, devant, et eh bien... Tu connais la bonne route ici là, Carl sur les... Fier. Tu passes à gauche du truc là. Et après, faut que je te spec. Moi je les prends comme ça. Ah là, ouais, ça revient au même là. Ça revient exactement au même. Donc là vous découvrez bien avec Pierre, c'est RT Hold. Avec les warm-up, je pense que c'est l'une de mes meilleures maps. Mais punaise, j'en reviens pas. Y'a pas Zeraptor. Mec, tant mieux. Hein. Ah bon? Oh, bien passé ça de la part de Pierre Pox, c'était pas mal. On a vu Yakil qui l'a doublé, mais c'était bien quand même. De toute façon, c'est le warm-up. Faut un Karl Junior devant moi. Ah bah ouais. Ayako et Karl qui vont certainement se battre. Hugo, ce que j'aime pas sur ce truc, c'est le boost à le 200%, tu vois. Ouais, je comprends. Genre, des fois tu vas l'avoir à 100, des fois à 150, des fois à 200. Ah, faut que j'essaye ça. Ok. Ouais, elle est dure à prendre, hein, franchement. Oh, ça aurait été beau. Non, parce que en fait, moi je fais ça, si tu veux. Je fais ça. Oui, bah, c'est ce que je fais aussi, bah t'as raison. Hein. Moi je pense qu'il vaut mieux faire ça et safe. Comme tu veux, comme tu le sens. Pas trop dur, fallait juste que je freine, j'étais sûr que si j'ai pas freiné. Comme voir tu si le sens. Si j'ai déjà un temps correct, je le garde et sinon, moi. Je tente. Allez, je vais me remute. Ouais, du coup, y'a moyen de faire des trucs en fait sur celle-là. Ouais, franchement, y'a moyen que tu reviennes.
Allez, je suis mute. Alors là, pour moi, Karl va se battre avec Ayako. Peut-être Hugo, mais Hugo, à mon avis, il est pas régul là-dessus. Mais je suis pas certain, donc on va voir ça. Pierre qui tape le start. Putain, faut que je cache les voitures ici, clairement. Ou que je mette la deuxième option, celle-ci, là. Oh, Karl qui tape le CP ring. C'est pas bon pour Karl. C'est pas bon. Dunkraptor qui a bien réussi. Il est où? Il est là. Hop, alors le voilà qui part devant. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre avec lui. Quelle stratégie opte-t-il? Il va directement là, il prendra les deux CP normaux après, donc. Ouais, c'est pro... Ah non! Oh! Nouvelle stratégie de la part de Dunkraptor. Intéressant. Est-ce que c'est plus rapide? Je ne sais pas. Oh lolo! Faut être sick pour faire ça, clairement. Et c'est plus rapide, apparemment, Carl Jr. qui est juste à côté. Ayako aussi. Carl Jr. qui s'est crash. Il a perdu 2 secondes. Hugo qui est à 2 secondes 8. Ayako qui est juste derrière, on va spec Ayako. Il est où? Il est où? Il est là. Oh là là, c'est serré entre les deux joueurs. On va passer cette musique parce qu'elle est bien, mais on l'a déjà entendue. Hop. Oh là, attention, Ayako qui revient. Oh, donc Raptor, ok, je crois, a pris un land bug. Oh là, c'est serré entre les deux joueurs, attention. Oh, ça va être chaud de ouf. Oh, donc il tente. Voilà, oh, et Ayako qui a du release. Ayako qui a du release, incroyable. Great run. Oh merde. Oh. C'est pas mal pour Perpok qui fait 8ème, good job mate. MDR local 90, t'as vu, j'ai failli la fin ou quoi? Non, j'ai pas vu, je speckais. J'étais hyper chaud, j'ai rebondi contre le bord de la route. Je speckais Ayako. Le bord de la route? Bah, genre le début de la. Du finish. Ah oui, d'accord. Moi je vais remonter là, je pense, du coup. Ça fait plaisir. Nice, c'est cool. Il y en a plein qui ont pas fini. Ouais, je suis 20ème déjà. Let's go, come back. Tu connais d'autres tournois Trackmania comme celui-ci auquel je pourrais participer? Oh, tu sais, il y en a plein des tournois Trackmania. Mais celui-là, c'est différent parce que c'est un ZRT, c'est très spécial. ZRT, c'est un type de tournoi. Le truc du CP. C'est un type de tournoi où les maps sont très spéciales puisqu'elles sont faites par le streamer Zerator et qu'elles sont. Full dégueu, buggé, mal fait et tout. Après, je sais pas s'il y a des tournois LOL, si tu veux rester un petit peu. Le ZRT c'est un peu du LOL mais en long. Mais du coup, je sais pas si tu veux ce que tu veux faire, donc c'est toi qui vois. Juste au start. Du coup, voilà. Après, si tu veux, tu peux jouer du RPG. Donc RPG c'est Ah, faudrait que tu regardes sur YouTube, tu mets Trackmania RPG, Trackmania Stadium RPG. Tu devrais trouver. Principal team, je crois que c'est Milky Way, je suis pas sûr. Pas sûr du tout, hein, attention à ce que je dis là. Après, donc nous on est la première team ZRT historiquement, la team Lazy. Je dis bien historiquement parce que on est considéré comme la deuxième team ZRT en termes de niveau. Eden sont a priori devant nous. Je dis a priori parce qu'on a fait des matchs, après ça reste que des matchs, on n'a pas fait beaucoup, mais voilà. La Parcours Cup, comme dit Nono, c'est une cup un peu plus ou moins RPG, mais c'est RPG, attention, c'est RPG dégueu, là aussi, c'est pas du RPG propre. Mais ça peut être sympa, c'est un peu un mélange de RPG et de ZRT, organisé par la team Try, principalement Ben Sword, assez régulièrement. Il faut putain, se tenir, je vais stack au start. Il faut se tenir aux news. Show mate, ouf. Courage, 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 focus. En gros, j'ai pris le landbug au CP sur la marque. Courage, courage, focus. Et du coup, après, bah voilà, t'as les tournois tech après, du style l'ESL, le championnat du monde, les championnats de France et tout, la Nations Cup. T'as la Micro Machine Cup qui se ressent, qui est dans un game mode Micro Machine. Donc, pardon, j'ai une remontée. Donc, dans le style de Micro Mouette, mais avec des vraies maps, cool. Parfois simple, parfois dur, un peu varié et tout. Mais pas comme ça. Tu as l'event d'endurance par excellence, qui est les 24 heures DDE, qui a eu lieu une fois dans l'année en septembre. Donc tu dois trouver une équipe et tu as les 24 heures. Sur les 24 heures du Mans, ça vient de là. Donc 24 heures sur Trackmania, il y a un plugin, c'est par équipe et tout. Faut se relayer.
Il y a un dérivé qui est le Caesar Mix. Donc il y a trois serveurs, un FS, un RPG Dirt, un Tech. Et tu peux eh bien, faire des équipes là aussi et jouer soit sur un serveur avec une équipe de 2, soit sur les trois serveurs avec une équipe de 5 ou 6. Donc c'est un dérivé fait par la même équipe qui est l'équipe DDE que les 24 heures. Et après tu as l'autre épreuve d'endurance par excellence qui est eh bien la Spam Weekly qui a lieu tous les samedis à 17h30. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y aura de Spam Weekly ce week-end. Il faudrait que je regarde. Fait par le streamer Spam. Et donc ça c'est une course. C'est une course de 1 heure. Enfin non, c'est plutôt 50 minutes environ pour les meilleurs. Il reste plus que 2 là. Putain, ça va être chaud hein. Allez courage mec, tu peux le faire franchement. C'est faisable mais c'est chaud hein. J'ai ouais. 22 encore. Ouais c'est 16ème, vrai. 16ème c'est 40 points, faut que je fasse de gros temps. Let's go. Il est là le pire pop. Et du coup comment voilà, voilà les principales. Après, si tu veux te tenir plus au courant de ça, faudrait que tu t'intéresses à Trackmania un peu plus, de façon un peu plus importante. Contacte-moi sur Discord si tu as. Je te mettrai en relation avec des teams si tu veux. Faut aussi que tu vois un peu le genre de style de map que tu veux faire. Mais du coup, ouais, contacte-moi sur Discord, c'est pinou10001. Hashtag 4232, je le mets dans le chat. C'est pas la même course, c'est une map différente à chaque fois sur la Spam Weekly, mais oui c'est tous les samedis à 17h. Donc faut être là un peu avant, faut être là à 16h30 en vrai. Y'a un orage chez moi. C'est l'orage chez moi. Tout va yamb. J'espère que ça va pas sauter. Mais voilà. Et si tu veux regarder déjà au niveau de la Spam Weekly, tu peux aller bien sur la chaîne de Spam Dignitas, anciennement Dignitas, pardon. Spam, alias Spamiège, sur YouTube. Maybe Nonoskill mettra le lien dans la description, si elle arrive. Dans le chat, pardon, qu'est-ce que je dis. Et puis voilà. Comme ça, tu verras tout de suite les VOD qu'il en fait, parce que du coup, il stream la cup, vu que c'est un streamer, Spam. Et donc si ça t'intéresse, voilà. Mais du coup, ouais, n'hésite pas à m'ajouter sur Discord. Et puis on verra. Donc Nono qui me dit Ben 13ème. C'est bien. C'est cool. Tu dois faire combien? Je dois lâcher un gros round là, je crois. Il faut faire top 16 a priori, donc tu dois. Où est Pierre Pop? Je peux lâcher un. Oh, je suis à 30 points. Ça va être ultra chaud. 30 points, ouais, faut que tu fasses 3. Allez, courage. Sardoche qui doit être dans la panade. Ah oui, Sardoche il a une place. On va le spec, ça va être marrant. Et on voit Saiko ici avec sa petite voiture rouge. Bank devant, donc on a Borkinou. J'ai pas beaucoup commenté, mais au moins voilà. Tout le monde est au courant des cups. Yep, j'accepterai ça tout à l'heure, Zed, pas de soucis. Et regarde, Nono, t'as mis le lien dans le chat de la chaîne YouTube de Spam si tu veux aller voir. Merci, Nono. Je suis sale loin. Oh, Sard qui a. Oh là là. El Choquerino. Ah, j'ai fail. De Sardoche. C'est fini. RT. Sardoche qui a choke aussi. Je le mettrai après le message là. Où en est Mimo Junior? Il est. Oh, il est bien, Mimo Junior, il est bien. Ah non, si, il est pas mal. Oh, y a Hugo devant. Enfin, je crois que c'est devant. Où est Hugo? Où est Hugo? Il est là, hop. Non, il est pas devant, c'est Karl qui est devant. Oh, Karl est loin, très loin, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié le dieu Karl Junior. Et il se fait rattraper, attention, par Twin. Ça va être chaud entre les deux. Non, ça devrait passer. Oh, y a Cross. Oh, Cross qui a pris le mur, what the fuck. Oh, Twin. Twin qui finit pas. Oh, il finit Turtle, peut-être qu'il va y arriver. Non, il y arrive même pas. Oh la vache, cette fin. GG. Non, je dois... El Chocarino de Sardoche. Oh la vache, c'était fou. C'était fou et on va skip ça. Oh, je fais grave de la merde quoi. Je connaissais pas la map. La deuxième, je la connaissais pas et la première, j'avais joué une fois aussi. Ah ouais. Bah 10 minutes de train, ça suffit pas quoi. Ouais, c'est clair. Bah c'est ce que je me dis aussi par rapport à moi. Ouais, j'ai fait 19 sur 16. Ouais, ok. Bah...
Un chef. Bon, la suite. Oh, bon, c'est peut-être bah, un petit top 100, ça. Voilà, on va aller voir. On va aller voir du coup. Bah, Yakil, j'y crois pas. Voilà, Yakil, il est en train de choke. GG Hugo. Il est passé ou il est pas passé? GG Yakil. Tu me remets sur l'autre Discord? Bah ouais, je vais te move. On va descendre sur le Discord et je vais allumer ma lampe parce qu'avec l'orage, je pense que vous voyez plus bien. Vous avez l'orage. Dieu. Ouais, là il y a un orage chez moi. On va bon aller. Moi. On va aller sur sur Discord. Hop. Zedrom premier. Zedrom premier. Oui. Oui. Oh putain, mais yes. Devant Paco, Badlulu, tout ça, Aurel. Putain, un pro quoi. Hey, putain, Zedrom, je suis qualifié. Zedrom, ouais, j'ai vu du 13ème, bien joué. J'ai fait 13. J'ai stressé tout le long, j'étais en train de compter des points. Je comptais tous les points, j'étais là, c'est bon. J'avais 10 minutes de train sur la première, la Trackmania, et 10 minutes de train sur la deuxième. T'es passé ou pas Pierre? Non, je suis pas passé, j'ai fait 19. Ah dommage. Je me suis un peu rattrapé sur Zedertol parce qu'elle a pas arrêté de tourner en warm-up là, mais je suis pas passé. Oh putain, je transpire de partout. Bon, bonne chance pour la suite, je vais te regarder un petit peu vite fait les streams en bossant moi. Ouais. Bon, c'est drôle, le 16ème. Bye bye. Bye mec. Merci d'être passé. Du coup, là, tout le monde est passé là dans le truc là. Ouais. Ah, moi je suis mec, j'arrive ouais. Premier, mais j'en reviens pas, mais qu'est-ce qui se passe? Eh, comment sur la première map impérial, hein, Zedron. Non, mec, c'est la première map, mec, je me suis transformé. Hein. T'étais tout le temps, même Lulu, il a dit bien joué quoi, t'es trop chaud. Qui streamait sur votre serveur? Softy. Dac. Ah, Shoot, il passe pas, Shoot, il passe pas. Ouais, il était dans mon groupe, il était dans mon groupe. T'es passé, Dricky? Ouais, je suis passé. Shoot, il est pas passé, sérieux. Eh mec, en vrai, il était facile le groupe, je sais pas comment il a fait. Hein. Schultz, mais sérieux. Ouais, mec, mais en vrai, je me demande s'ils ont pas fait exprès, c'est genre de. T'es, non. Tu sais que je suis passé alors que j'ai pas fini 3 rounds sur. Comment ça s'appelle? Zedarteo. Ah, les gars, je pense que justement, ils ont pas fait exprès d'arriver le dernier, non? J'ai full safe. Ah, Ben. De quoi? Qui? Les gars, bon, du coup, on va couper la VOD de ce cast là. Je voulais avoir un peu leur réaction, on les a eu. Donc, Zedrom, premier, c'est très très bien, franchement, je suis assez. Assez heureux. Je vais voir Schultz sur son stream. Putain, bien moi, qu'il soit là, c'est grave bien. Après, on a Ben. Ben qui, donc, apparemment est passé aussi. On a Hugo et Yakil qui sont passés. Donc, c'est bien. On a encore 4 joueurs lazy qui sont dans la place. C'est top. Franchement, je suis très content. Donc, on se retrouve et bien. À quelle heure le prochain round? Du coup, on se retrouve bien soon sur YouTube pour la suite, de toute façon, voilà, de la ZRT Cup, voilà. Allez, sur ce, on va se laisser. À tout à l'heure.